À tous les gobeurs de mouches, ouvrez grand vos oreilles. Ici Patricia Tanis. J'ai trouvé une nouvelle arche. Comme vous le savez peut-être, l'ouverture de la première arche il y a 5 ans a déclenché une réaction en chaîne qui en a révélé d'autres sur Pandore. On s'en fout ! Tu t'en fiches de tout ça, chasseur de l'arche ! Toi, tu veux du butin, des gros becs, des explosions ! Moi, c'est Torg, et je suis là pour te poser une et une seule question ! Des explosions ! Libérez cette fréquence écho, vieux clown dégoulinant de protéines. J'essaie de dire. Il y a trop de syllabes dans cette phrase. Excuse-toi. Comme je le disais, cette nouvelle arche que j'ai découverte est enfouie au centre d'un énorme cratère et ne s'ouvrira, je cite, que lorsque le champion de Pandore lui versera le sang de l'ultime poule mouillée. C'est Torg. On pense sincèrement que c'est de la putain de boulette. C'est trop énorme qu'on organise un tournoi pour trouver la putain de brutasse numéro 1. Si ça te branche, rends-toi là où l'arche est enfouie. Le cratère de la brutasserie des brutasses. Ce n'est pas le nom de cette zone. Le cratère de la brutasserie des brutasses. Hell yeah. Franchement, j'ai coupé mon micro, j'étais mort de rire. Ici, monsieur Torg, en direct des fins fonds de l'orbite. Si t'es là, c'est que tu veux remporter notre tournoi, ouvrir une arche et décrocher le titre de brutasse numéro 1. Bon, avant de commencer, tu dois poser ta signature numérique sur la clause de décharge de responsabilité. D'accord, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau DLC de Borderlands 2, dont je me souviens plus le titre, mais c'est avec Torg et des explosions avec Chronos. Bonjour à tous et à tous, ici Chronos83 en compagnie de Lotary. Voilà, des explosions. Je me prenais pour Torg. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, je me souviens plus du tout du titre du DLC. C'est pas grave. Moi non plus, c'est un truc avec Torg. En tout cas, il y a des rounds, des arènes, c'est tout ce que je sais. Et ça va péter du cul, il faudra qu'on trouve l'arche, qu'on défonce la poule mouillée et qu'on fasse ce qu'on peut. Et d'ailleurs, je vous montre dans les quêtes, on a vachement fait de quêtes. Il y a juste ces deux-là qui sont interminables. Et puis, on a fait les trois quarts des quêtes. Voilà. Et puis de toute façon, vous le verrez dans le... Ah, tout à fait. Donc, badass cratère of badassitude. Voilà. Donc, on va faire le. On va s'inscrire au tournoi, je propose. Parce que nous, on est prêts à défoncer du cul. Voilà. Ouais, bonne idée. Donc, c'est pas un DLC aussi complet que l'autre, certainement. Ouais, de ce qu'on a vu, il sera sans doute plus court. Il sera sans doute plus court et. Peut-être moins. Enfin, peut-être plus fun, peut-être moins fun. En tout cas, ce sera bien différent de l'autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, ce sera pas la même ambiance. Attends, j'aurais pas dû gueuler, je commence à avoir mal au fond de la gorge déjà. Comme vous le constatez également, des deux côtés, on a de la bien meilleure qualité qu'au dernier DLC. Et ce sera bien moins fouillis normalement, ce sera moins test. Voilà, c'est ça. Maintenant, on sait comment faire le truc. Parce qu'on l'a. Ah, ça va exploser dans la gueule. Oh, nice. C'est comme ça qu'on s'inscrit au tournoi, c'est vachement cool. Des charges de responsabilité, mon cul. T'es un Torgland, mon gars. Dirige-toi vers l'arène pendant que je te claque un solo monstre à la guitare. D'accord. Ouais. Moi j'entends pas la guitare. Solo monstre à la guitare, allez, vas-y. Ah d'accord. Moi j'adore. Il y a un certain style. Alors, putain. Oh ouais, des véhicules, enfin. On va à deux? Ou on prend un truc différent? Non, on prend un truc chacun, attends. Alors attends, bah je veux pas, vas-y, je vais faire spawn le propre mien. Et décolle pas, on va y aller ensemble, d'accord? Comme ça sera classe la badassitude. Matériel. Attends-moi. Ne bouge pas. Ah t'as pris. Voilà. Et je change la couleur pour que ça aille bien avec mon skin. Parce que oui, j'ai changé le skin pour une fois. On y va quand tu veux, ça fait longtemps que j'ai pas conduit de véhicule moi. Ok, bah c'est parti. Alors j'espère que vous m'entendez bien pour ma part parce que j'ai. Ah, je crois que je me suis trompé de route. J'en sais rien. C'est quoi pour l'instant, t'es 50ème au classement des potasses. Va falloir que tu m'attendes, Lotary, je suis pas là. C'est quoi déjà avec ses gencives. Ça lui a pris des heures. Si t'as l'intention d'ouvrir cette arche, il va falloir. Ouais, je sais plus c'est quoi. Et puis il faut un sponsor pour des potasses. Ah, c'est bon, je trouvais. Ouais, mais je suis sur manette. On va t'en trouver un, mon pote. Moi, c'est une. C'est une. De la. Une gâchette du haut. Oui, mais tu utilises pourquoi d'habitude?
Attends, je vais tout dire ça. Ça sert à... à faire utiliser ma compétence. Ah attends, c'est comment j'utilise ma compétence, moi, déjà? Bon, d'accord, ok. J'ai pigé. Option. Ah oui, il y a un tremplin, il faut qu'on le fasse ensemble à côté, d'accord? C'est ce que je voulais faire en fait. Mais il faut que je sache comment. Couvrir. Recharger l'arme. Je vais te dire aussi donc clavier souris. Clavier souris. C'est où? C'est où qu'on voit le sprint de la. Se déplacer, avancer, véhicule, rotation, klaxon, tirer, arme précédente, frein à main. Turbo c'est F, c'est marqué de base. C'est où turbo? C'est attends, je retourne. C'est merde. Grenade frein à main, sélectionner l'emplacement d'armes et c'est juste en dessous de tir secondaire. Donc il y a signé ah ouais. A. Mais c'est... d'accord. Alors c'est le bon bouton que j'appuyais mais. Ah si c'est bon d'accord. C'est juste pour avoir une vitesse avant de lancer. Ok, t'es prêt? Wow. Attends, va de l'autre côté, va à ma gauche. Moi j'ai pris des trucs explosifs parce qu'on est tank quoi. 3, 2, 1. Attends, t'as commencé sans moi. Oh oh, oh putain. Voilà. Des gens? Aïe, j'ai pas vu. Son level combien par hasard? Coucou. Ah ouais, d'accord, ils sont. C'est des faiblards. J'aurais peut-être dû m'occuper de cette histoire de sponsor plus tôt, mais je m'organise comme une grosse brêle. Et au lieu de dégoter les sponsors, j'ai gêne. Contre le requin avec une cravate western. Alors tu te demandes, qui porte la cravate western? Toi ou le requin? Ma réponse, ouais. D'accord. D'accord. Tu es les hommes de MoMA. Donc on va trouver un sponsor dans l'arène. Oh, c'est laid. Donc on a aussi trouvé de nouvelles armes. On les montrera plus tard. Ouais, ouais. De toute façon, vous les verrez le long de cette. Je trouve, je sais pas où ils sont les gens. Ah là. Ouais, il est déjà mort. Il y a un mec là-bas. Ah, il est là. Il est au-dessus. Il est passé au-dessus. Putain. Ah, il est là. Motard. Ah, il est où? Motard. Voilà. Allez. Voilà. Même les employés de Torg. Y'a pas de quoi, mec. Tu n'es pas que tu t'ennuies. Alors j'ai fait genre, rien à foutre. Paye des flingues à tout le monde. On a paumé la moitié de notre manœuvre en 3 jours. Mais ça, eh ben on s'en fout. Tu es les concurrents. Les concurrents. Torg. Ouais. Oh, y'a un mec qui s'appelle Piston. Quelle classe. Faudra qu'on descende de la voiture, ce sera qu'on verra mieux. Voilà. Allez, où il y a... Ah, ouais, on est allé se faire un peu de chasseur ultime pour prendre un peu de level parce qu'on avait envie de tuer un gage de Torg. Chasseur ultime, ouais, voilà. Chasseur ultime. Bah, on vous l'a déjà dit, je crois. C'est Piston à l'appareil. Il est là. C'est impressionné de te voir à l'œuvre, chasseur de l'Arche. Il paraît que t'as besoin d'un sponsor. Bah, moi, je cherche une recrue. Oh, la tronche. Rejoins-moi à l'arène. T'as qu'à suivre le délicieux parfum de la victoire. Ouais. Piston, que répondez-vous à ceux qui vous accusent de tricherie, de truquer les combats pour obtenir le titre de numéro 1? Jeffrey. Eh ben en gros, je pense que d'abord je voudrais... Pas trop bien. Et puis, je leur dirai de jamais me traiter de tricherie. Mais génial ce type. Ouais, j'avoue. Eh oui, je vous permets de le citer. Hey, par ici la besogne. Et maintenant, voilà ce que Piston te propose, mon canard. Piston devient connard, mon canard. Piston te prend sous son aile musclée et ensemble, nous ouvrirons cette arche. J'ai déjà organisé ton premier combat dans l'arène. Va là-dedans
et montre-leur que Piston et le chasseur de l'Arche ne sont pas des petits rigolos. C'est moi ou on dirait bien qu'il prépare un sacré coup de pute? Je sais pas, mais j'aimerais pas l'avoir dans le lit, lui, il prend toute la place. Ouah, hein. Wow, répète ça pour voir. Okay. À un moment ou à un autre, faudra penser à visiter toute la carte là, parce qu'il y a plein de trucs à visiter. Ouais, mais je pense qu'on le fera selon les quêtes, à mon avis. Hein. Ouais. Alors, oui, donc il y aura certaines infos qu'on redira sûrement par rapport à l'autre DLC si jamais vous regardez celui-là, mais vous avez pas regardé l'autre. Hein. Ouais, voilà, certainement. On verra bien. C'est parti, gros Targoloum. Oh merde! J'ai pas pensé à regarder le temps. J'ai le temps, t'inquiète. Hein. Ah bon, d'accord. On a combien? 11 minutes. D'accord. C'est quoi ce magasin? Oh, une arme légendaire! Ça se déroule contre un seul adversaire, mais là je me suis dit bof. Alors, oh non, ça s'achète avec des clés. Collé contre une dizaine de types qu'on appelle la horde des horreurs. Perso, je pourrais les fumer les deux pecs attachés dans le dos, mais méfie-toi quand même. Ah bon, alors attends. Elle est où ton arme légendaire? Sur le côté là? Ouais, mais tu vois, c'est, ça s'achète avec des clés. Ah oui, avec 613 clés, ah oui! T'as vu? Ça s'achète avec des trucs comme ça, c'est assez cool. On va voir là-bas du coup. Allez, faire exploser des trucs! Ouais, moi c'est ça. Mesdames et messieurs, notre prochain combattant fait son entrée. Le chasseur de l'Arche sera-t-il assez balèze pour survivre au round de la soif de destruction? Vous le savez aussi bien que moi! Peut-être! Ah, il va y avoir un public là. J'espère que tout le monde serait prêt à nous attendre là. Acclamez-nous, on a trop. Acclamez-nous, nous sommes Orsiner aujourd'hui qui va sortir, s'arrête le feu! Ah merde. Les règles sont simples, on utilise le butin fourni et on bute tout le monde. Le dernier survivant sera une authentique brutasse. Quand tu voudras commencer. Oh, y'a pas grand monde. Ah y'a quand même, j'entendais des gens. Ouais. Ouais, enfin, ouais, tous nos abonnés! L'argent, c'est ici! Allez! Mesdames et messieurs, le moment que vous attendiez tous! La horde des horreurs contre le chasseur de l'Arche! L'Espagnol! Préparez-vous à mitrailler des tronches! Gladiator! T'es prêt à jouer en. C'est parti! C'est easy. Le coup fatal du chasseur de l'Arche. Par rapport à mes ne repose pas sur tes lauriers. Ouais. T'as la deuxième vague, c'est ça les vagues? Ah bah dis donc. Survivre à la horde. Il y aura des zombies. Ah y'a plus de zombies. Une ligne de Moma. Bah, je te propose qu'on y aille au cac, comme ça, ça relève le niveau. Oh, on s'est me piquer ce mec! Ok, à la troisième vague, on est prêt. Reste zen. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'était level 30, hein. Même si je suppose qu'il se faisait un peu défoncer. Mais que fait l'arbitre? Il est toujours en vie. Il y a une arme ici. Fais comme si j'avais rien dit. Ce chasseur de l'Arche enchaîne les vagues comme un petit gros sans fil. Eh ouais. Alors voilà, passe-t'en chez toi. Eh, c'est juste, hein. C'est la dernière vague. Merci de l'avoir éradiqué. Putain, mis cher, y'a un mec qui m'a mis hyper cher. Ah ouais, je sais pas c'est qui, mais je me suis pris. Ah, Gladiator Goliath, Goliath. Wouhou! Ah bon. Voilà. On défonce du cul, moi je te le dis là. Vas-y, wesh, il est où le dernier ennemi là? Ah bah ouais. On a acclamé. Le chasseur de l'Arche l'emporte et bondit d'un coup au cinquième rang du classement. Déjà? Et il a pas tapé, il a tout.
Piston est fier de toi. Je me suis arrangé pour que le machiniste te donne des flingues. Prends-les. Piston pense que c'est le début d'une belle relation. Des flingues, j'espère que c'est plus puissant. Non, level 30, ça m'étonnerait. 5 clés, on a eu. Je vais pas partager le prix de l'arche avec un mercenaire de seconde zone. Je suis le plus grand combattant de tous les connard. Temps. Je déployerai cette arche moi-même. Quant à toi, tu vas te cacher de mon arène. Ce bruit que tu entends, c'est la fosse qui se remplit de gaz Armstrong. Oh. Inspire bien la forme et tombe dans les grappes comme une gentille poule mouillée. Ah le salaud. Ah le salaud, il nous a niqué. Faut le tuer. On va le pistonner. Pourquoi on a plus d'image? C'est quoi ce bruit de gaz? Quelqu'un a fait sortir le chasseur de l'arche? Je comprends rien à ce qui se passe. D'accord. Alors, attends, déjà, je crois que j'ai récupéré un truc plus ou moins intéressant. D'accord, le taré. Ah non, en fait, c'est de la merde. Quittez la reine. C'était du caca. D'accord. Oh, il y a des cadavres ici. Oui. Tire dedans. Fais des trucs. Avec les cadavres. Voilà. Ils sont encore plus forts qu'avant. Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai hésité à relever, mais je sais que t'es nécrophile donc. C'est pas sûr qu'il y a nécrophile. Bah, par contre, c'est où qu'on passe? C'est par là? Oula, c'est encore dessus en fait, je crois. Ok, mais comment on y accède? C'est par là, par là, par là. Il y a un escalier et tout. Bon, fais gaffe au temps parce que moi j'ai pas du tout le temps en fait. Ouais, mais t'inquiète, 17 minutes. On prend toutes les munitions. Hop. On y va. Donc oui, aussi on a fait quelques achats en revenant en sanctuaire au niveau des bah de tout ce qui est munitions avec les comment ça s'appelle déjà les Ridium. Ouais, c'est ça. Du coup, on était à quelques centaines, maintenant on n'a plus rien. Voilà, on a plus rien. Mais bon, on sait que si on a besoin de Ridium, il y a des quêtes. Tiens, si tu veux, il y a un lance-roquette ici. Assez merdique, mais moi j'en ai un meilleur. Oh non, faut faire du saut, je crois. Ah bon? Ah oui. Bon, ça va. Je pense que dans Borderlands, c'est pas bien compliqué le saut. Hein. Non, mais quand même. Ouais, on peut s'échapper par les égouts et tout. Vas-y, on va dans le cratère badass de la basse altitude. C'est tellement moche comme nom. C'est tellement classe. Cratère badass de la badassitude. Déjà, ce mot badass, je supporte pas. Alors imagine badass, badassitude. Mesdames et messieurs, le chasseur de l'arche a disparu de l'arène. Oh, je comprends ouais, pas. Magicien. C'est quoi ce bordel? Je vais t'expliquer, Torg. Le chasseur de l'arche s'est fait la malle. Oh le bâtard. Moviette s'est rendu compte qu'elle devrait m'affronter. Quand on le torchera, ce mec. Brutas, numéro 1 de Pandore. Et elle a pris ses jambes à son cou. Ces gens ouais, à son coup, bah, c'est pas sérieux. J'ai pas le choix. En tant que responsable du tournoi Torg, je suis forcé de déclarer le chasseur de l'arche. Bâtard. Poule mouillée. Non, je voulais pas être une poule mouillée. Non, mais au moins on reviendra de bas, tu vois. Et quand on sera tout en haut du classement, ils pourront plus dire qu'on sera des poules mouillées. Une poule mouillée qui devient dans le haut du classement, bah c'est plus une poule mouillée. C'est qu'en vrai, t'es pas une poule mouillée. Mais putain, ce retour de haute situation, c'était un grand moment de télé. Bref, si tu veux rester dans le tournoi, il va te falloir un nouveau sponsor. Va au beatdown. Ah, il faudra que tu prennes un véhicule, de toute façon. Ouais, de toute façon, moi j'explore. Ça y est. Je peux pas explorer là. Oh, hey, on m'a juste fait tirer dessus là. Cherche un véhicule. Ouais, comment je vais exploser sa moto? Salut mec! Voilà! Le véhicule! Coucou! Alors. J'ai la peine d'aller approcher un. D'accord, donc il faut aller là-bas, c'est ça? Explosif. J'ai pris explosif parce que c'est toi, regarde. Oh le spectacle qu'on leur fait là du Need for Speed. Ouais, moi j'ai fait ça à Need for Speed. Ouais, moi aussi. J'ai fait ma montée là, non? C'est de la merde, ton truc explosif, il est pas précis. De toute façon, on pourra pas passer. De toute façon, c'est pour Torg que j'ai fait ça. C'est parce qu'il aime les explosions. Rien de plus. Je veux explorer la zone. De l'expérience gratos. Je peux tortiller du cul moi?
Pourquoi tu tortilles du cul, toi? Parce qu'il est tortilla. Tortilla! C'est bon, ça. Olé! T'es en tacos, toi, la buena! On avait hésité à faire avec un autre DLC, mais on s'était dit qu'on le fera pour la fin, ce voilà. DLC. Donc, on vous en dit pas plus. Parce que voilà, atteindre le beat down. Le beat down. De toute façon, à mon avis, vous connaissez les DLC qu'il y a. Enfin, si vous regardez sur internet, c'est que vous avez un petit curiosité. Puis sinon, vous verrez bien. Et puis voilà. Adresse de Dios. Pourquoi tu fais des bizarres? La brutasse numéro 4 du classement habite dans le coin. Il s'appelle Pyro le Ouf. Et, grosse coïncidence, il a kidnappé hier une sponsor indépendante de la région. Tu vas aller le buter et lui rendre visite. Mais pas dans cet endroit-là. Pas dans cet endroit. À 21 minutes, si tu veux savoir. Je dis ça au time parce que c'est lui qui gère tout ce qui est timing de la vidéo. Moi je m'en bats les couilles, moi je suis juste là pour tuer des gens. Oui, tu le sais. Oh non, on leur met cher. Oh! D'où il sort lui? Je t'ai aidé, t'inquiète pas. Non mais, c'est pour qui? Il a cru tuer les gens tout seul. Il a cru. Mouillé de chasseur de l'arche. C'était comme mon enfant. Je l'ai sponsorisé. Je l'ai emmené au sommet. Il s'est dégonflé et il a fichu le camp. C'est vraiment plus que c'était. Même avec cette histoire de poule mouillée, tu restes la brutasse numéro 5 au classement d'orgue. Et Piston est numéro 1. Alors tu vas buter tous ceux qui sont devant toi. Tu vas reprendre en main ton héroïsme et tu vas le flanquer en plein dans la gueule de Piston. Avec plaisir. Parce que lui, je me ferai un plaisir de le pistonner. Aucun. Oh, et tu peux pas savoir à quel point. Oh, attends, il y a des casiers ici. J'ai trouvé de la santé! Entendu! Tu as un gage flambeur. Je vais utiliser mon truc à feu parce que vu que ce sont des mecs avec de la chair. Bah la barbe, hein. C'est quoi ça? Portrait de Moxie. On a eu le portrait de Moxie. Ouais, écoute. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça sert. Hein. Ah, je te dis ça. Regarde dans mon inventaire ce monde-là. Tu l'as pris? Ouais, je l'ai pris. Bah, regarde alors. Alors, un portrait de Moxie. Ouais. Hein. Non, c'est pas dans mon inventaire. D'accord, bon, on verra bien. C'est pour un truc, c'est un truc de quête. Oh, probablement. On verra bien. Ou alors, on a une collection de portraits. Ça, ce serait sympa, ça. Est-ce que tu penses que ces portraits sont comme je pense? C'est fort probable. Alors, c'est pour des magazines. Voilà. Tu penses? J'espère que tu penses. Non, je sais pas ce que c'est pensé. Je pensais que c'était désobéi. Ouais. Ouais. Oh. Tu vas cramer dans les flammes, dans le ciel qui brûle, marcher sur les braises, briser sur les marches. Tu finiras bien par buter Pyro le Ouf. Mais avant ça, tu dois découvrir où il a planqué la sponsor qu'il a kidnappé. Sinon, tu pourras pas monter dans le classement. Je sais pas c'est qui la sponsor, mais elle a intérêt d'être bien. C'est Moxie. Oh, arrête mec, si c'est ça. Préviens-moi si quelque chose. On sera premier dès le début, on aura besoin de faire un combat. Si tu achètes d'ailleurs, je te fais un CD. Ah putain, y'a un lance-patate Ouais, légendaire, mais bon. T'as vu tous les dégâts qu'il fait, le bâtard? Ouais, il fait 89 000 le mien, donc... Ah bon, d'accord. C'est ce que je veux dire. Après, peut-être pour toi... Ouais, moi j'utilise parce que c'est toujours pratique pour ce spé au dernier pour buter des gens. Coucou. Moi je suis quand même arrivé, j'en ai tué, t'inquiète pas. Tu fais plaisir. Voilà.
Voilà. Bon, ça va, il y a pas trop de difficultés, donc à la limite, c'est mieux pour vous, comme ça on est rendu. Ouais, c'est ça. On espère quand même qu'il y aura un petit peu plus de difficultés. Ouais, ouais, parce que là, honnêtement, c'est tout easy for us, hein. Dans le précédent DLC, les boss étaient quand même pas mal. Motoboom qui vient de se cracher la gueule en face de moi. C'était assez. Bah, en même temps, dans le précédent DLC, on a commencé, on devait être quoi, level 35, 37? Ouais. Donc là, on est niveau 40. Même maintenant, là, le dernier boss de la quête. Attendez, de la quête que je vous montre ça. Ouais, la quête, vous allez dex en. Vous non, avez non, le truc, les aventuriers du boss perdu. Le ah boss oui, est ils disent qu'elle est hyper simple, mais c'est impossible, clairement. Ils disent qu'on peut la faire niveau 30. Bon, on va attendre d'être niveau 50 avant de la faire, parce qu'on se fait torcher le cul. Oui, ce sont des dragons immortels, en fait. Donc, voilà. Ah, vous imaginez, vous voyez des gens qui s'affrontent des trucs immortels, c'est pas. En fait, c'est pas qu'ils sont immortels, mais c'est qu'ils ont une très grosse barre de vie et qu'on leur fait très pas beaucoup de dégâts. Voilà, et qui nous font énormément de dégâts. Merde, j'ai fait du caca. Oh, je suis tout feu, tout flamme. Tu veux un sponsor, c'est ça? J'en ai une ici, c'est chaud bouillant. Mais d'abord, tu vas danser. Va te castagner dans le beatdown, hein, et je te laisse. Va au panneau des combats. Allez vite, avant que j'allume le feu. Putain, mais le mec. On dirait qu'il est en train de jouir, le truc. Viens me voir. Le mec. Ouais, tu vas vite faire. Va vite faire ça. Parce que, franchement. Oh. Le mec, quoi. Ah ouais, je comprends, en fait, c'est pour ça, ok, d'accord. Elle passe sous le bureau, c'est pour apprendre votre note. D'accord. Bah ouais, ça peut être que ça. Ouais, je pense aussi, ouais. C'est une bonne suggestion, moi je suis d'accord avec cette hypothèse. En même temps, Oh, si c'est Lily, c'est pareil, hein, je suis un peu d'accord. Mais bon, on n'est pas dans l'autre DLC. Ouais, on est dans l'autre DLC, donc là, ça se passe en même temps que bah c'est pas RP, enfin c'est pas un truc un jeu de rôle, c'est ce qui se passe vraiment. Des figurines, on bougeait, voilà, c'est ça. Ici, c'est la vraie vie, là. On est en train vraiment de se battre. On s'entraînait quand on était des figurines. Maintenant, on se bat, voilà. En fait, c'était calculé tout ça. On s'entraînait en tant que figurine. On s'est fait buter en tant que figurine, mais maintenant, on va plus se faire buter parce que bah on s'entraînait. Oh bah alors. Bah ouais, bah heureusement, t'as vu le level de son. Non, mais je veux dire, dans le précédent DLC, on mourrait plus. Ah ouais, ah ouais. Ah, c'était figurine, c'est pour ça. Faut aller là. Pyro. Attends. C'est le bar de Peter Pyro. Attends, avant, je vais explorer. Ah non, Pete. Là, y'a un truc d'exploration facile à gagner. Avec des gens tués. Toi et moi, maintenant. Mais non, mais arrête de m'attaquer. Non, mais y'a un mec derrière toi. Prends pas pour un fou, hein. Je sais que je tue des gens pour. Ouais, c'est vrai que. C'est vrai que tu le dis. Allez, hop. On a 26 minutes. 26 minutes, alors attends. Il y a notre zone à explorer là, on explore, on est des fous, nous. On n'a rien à péter. On est des malades. Non, rien à péter. Ah non, on a eu à 28 minutes, pardon. Oui, 28 minutes plutôt. Oh merde! Je t'ai suivi comme une bite. Ah ouais, mais je te suis en fait depuis tout à l'heure. Je vais voir où est-ce que tu m'emmènes. Je devrais pas en fait. Évidemment, il n'y a aucun moyen de repasser par là. Bravo, là, t'as rien. Mais je savais rien, donc voilà. C'est vrai, tu servais à rien, ouais. Bon, alors du coup, je propose qu'on se rende devant la porte et qu'on arrête l'épisode là. Ouais, moi je suis pour. Ouais. Une demi-heure par épisode, ça me semble correct. Ouais, sachant carrément. Ça risque d'être un DLC un peu plus court. Oh, y'a des mecs qui sont pendus là-haut. Oh, trop génial. Attends, est-ce qu'on peut pas s'accrocher à cette échelle là? Non. Non, mais à mon avis. Là, regarde, trouver le chemin. Ah bah moi je suis un homme civilisé, j'ai pris l'escalier. Alors ça se trouve il y a des trucs là-haut. Ah par où est-ce qu'on... Certainement par là. Merde, je trouve ça. En plus je viens de faire gaffe que j'ai une arme torgue. Ouais, moi. Ça sera quoi de monter à l'échelle? Tu voulais monter en fait parce que j'y suis mais y'a rien. Bah je sais pas, je voulais voir moi. D'accord. En vas-y fait, wesh. Ya, we got this. Ça fait chier qu'il fasse nuit, on voit pas grand chose. Nuit. Ouais, peut-être parce que j'ai un contre-jour aussi, du coup. Ouais, tu dois avoir un contre-jour à mon avis. Du coup, tu passes par là en fait. Je sais pas.
Ah bon ? J'entends des pétales et que vous êtes sur le point de prendre une douche de sang ! Ah bon ? Ah bon. On va aller voir là-bas, hein, écoute. Ya la 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 la. Alors, on va à gauche et on arrive à destination. Oui. Alors. Oui. Oh, c'est classe quand même. Regarde en haut. Oh, j'avoue. Certaines formes de caresses. Bon, on n'y va pas, donc je te propose de faire. Alors, qu'y a-t-il derrière cette porte ? Est-ce que Chronos mourra ? Est-ce que Lotari pissera dans la bouche de Chronos quand celui-ci sera mort ? Vous le saurez au prochain épisode. Moi, tout ce que j'ai envie de rajouter, c'est vive la nécrophilie. Eh oui. Allez, Dieu, oui, en fait. Allez, bye les amis. Salut à tous, à plus pour le prochain épisode. Plus.